Français, français. Maghrébin, maghrébine. Béloute, béloute. Si j'ai tenu à quitter ma retraite de taroudante au Maroc pour vous rejoindre dans cette grande soirée, et c'est que je voulais vous soutenir dans votre désarroi face à la baisse du pouvoir d'achat. Voilà pourquoi ma première mesure pour rendre le moral aux Français avait été d'éliminer tout individu de type albinos, à lunettes et à cheveux blancs crépouillés de l'île de Ré, qui avait une fâcheuse tendance à foutre le bourdon à tout le monde. Moi-même, quand je voyais Jospin le matin, il était tellement gris que j'allais me recoucher en disant « Oh putain, il va pleuvoir !» C'est pas le type. Il faut voir comment il était entouré. Hein. Il y avait Fabius, ministre de l'économie. Moi, j'aurais dit ministre des dépenses. Il a quand même laissé une note de téléphone de 7 milliards d'euros. D'ailleurs, dans sa circonscription, à Rouen, on l'appelle toujours le trou normand. Hein, pas pour rien. Je voulais dire aussi qu'il y avait Elisabeth Guigou. Ah, ça, quand elle s'est présentée la première fois devant moi, j'aurais bien sorti ma guigounette, moi, hein, mais bon. Ah, c'est fini. Faut quand même dire... Faut reconnaître quand même à Jospin qu'il avait réussi sa parité, parce que moi, ma parité, c'était maman, point barre, hein. Partout où j'allais, moi, je serrais les mains, elle était derrière. Elle serrait les dents. Un jour, je dis, maman, détends-toi. C'est pas parce que tu es né chaudron de Courcelles qu'il faut pas faire péter le couvercle de temps en temps, hein. Mais écoutez... T'as changé de look avec la Lagerfeld, a coûté bonbon pour deux paires de gants troués, hein. Et puis après ça, elle a changé de coiffure. Elle a pris la coiffure à Catherine Deneuve, mais façon Boudé Woodpecker, vous voyez? Le lion du Crédit Lyonnais avant l'effondrement. Mais si elle a pu évoluer, c'est grâce aussi à toutes les personnalités que je lui ai fait rencontrer. Je lui ai fait rencontrer mon ami Nelson Mandela, un homme en qui j'ai une admiration considérable, puisque il a fait un peu la même carrière que moi, mais à l'envers, n'est-ce pas? Puisqu'il a fait 27 ans de prison et s'est fait élire président. Alors que moi, je me suis fait élire président. J'aurais bien voulu que ça dure 27 ans, hein? Et il y a le petit tout fou qui est arrivé, là, avec son cou qu'on dirait un pigeon en période des amours, là. Un petit tout dingo qui s'est fiancé à Euro Disney. Bonjour, le prestige de la France, hein. De Gaulle, quand même, c'est autre chose. Il rallumait la flamme. Lui, il allume les femmes, voilà. Pas de polémique. Je crois que quand on voit Gilbert Montagnier au gouvernement, on peut se dire que la France de Sarkozy, vaut mieux être aveugle que de voir ça. En vous remerciant.